Ça, c'est un biodigesté de 25 litres qui contient du fumier de chèvre mélangé avec de l'eau. Ils sont fermentés depuis des semaines et c'est cette fermentation qui va produire du biogaz. Le biogaz est un gaz naturel produit par la décomposition des déjections animales. Si vous voulez savoir beaucoup de choses sur le biogaz, je vous ai mis des liens de vidéos dans la description. Le gaz qui va être produit va être conduit par ces tuyaux. Ici, c'est fermé et qu'un jour, ça va sortir en gaz. Arrangement facile. Après une semaine de fermentation, ça sort un gaz qui n'oblige pas très fort, voire ne pas brûler. Après des semaines, on commence à avoir de bons résultats. Dommage que la femme cesse de s'allumer fort, mais c'est normal car on a utilisé un biodigesteur de 25 litres. Imaginez si on fait ça avec un biodigesteur de 1000 litres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour plus de vidéos. Après un jour, on voit que déjà un autre gaz avait été produit, donc le gaz se renouvelle du jour au jour. Maintenant, je vais ouvrir chaque jour pour récupérer le gaz produit et voir jusqu'à quand le gaz va cesser d'être produit sans ajouter d'autres fumiers et je vous tiendrai au courant dans les commentaires.